à peu près ce que je prendrais en France. Et en fait, la boisson, la taille médium, c'est ça. C'est-à-dire la large chez nous. Il n'y avait pas d'iced tea, du coup, il y avait soit iced tea, un truc genre du thé vert, quoi. Soit iced tea, mais en mode chaud. C'est chaud et c'est super sucré. Mais par contre, il est bon. Ensuite, j'ai pris des frites. Normal, on va dire, la base. Et j'ai pris un menu signature. Tu devais le composer toi-même, mais sauf que le mec, il m'a pas du tout compris. Je sais pas ce qu'il m'a mis. J'ai du citron. Je sais pas du tout ce que c'est, ça. Il y a du guacamole, là. Et là, c'est vraiment une tranche d'escalope ou je sais pas ce que c'est. Même pas ma brûleur. Après, c'est bon. Genre, je renifle tellement il est épicé le machin. On va alterner avec quelques petites frites. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé McDo. J'ai des petites lunettes là à 14$. Vraiment, ça sert à rien, mais c'était mignon. Ça tombe. Oh, t'es bronzé. Ouais, comparé à moi. On est dans un petit market. You know, c'est des bidons d'Arizona, carrément. C'est énorme. Regardez toutes ces chips. Il y a plein de goûts Pringles qu'il n'y a pas en France. Genre, le rayon il est énorme. Genre, ça n'existe pas chez nous. On dirait vraiment à New York. Petit truc de ice cream. C'est à Tu sais à quoi tu me fais penser quand je dépose un copain à la piscine? Hein? Ouais, t'as fait me couler? Ouais. Ah, je vais couler! Tu peux te couler en 2 secondes, toi. C'est trop. Non, mais stop! Hey, you garçon! Ah, Fabrice! Ah, tu nous mets 2 bières là? Alors, c'est bon? Franchement, la carotte. Mais remets ses affaires. T'as une grande bouche, hein? Oh, summer! It sounds good right now after what we just experienced, doesn't it? Grilling out, lawns being mowed, and pools opening. These are ça va ou quoi? Marchez trop vite là! Wow! Bande de cons! C'est bon que tu parles? Ouais, non. Ça tombe, oui. Donc là, les amis, on va aller à l'E3 aux États-Unis d'Amérique, à Los Angeles, avec mon petit bébé. À Los Angeles. Au calme. Par rapport à la Paris Games Week, honnêtement, c'est vraiment un ton au-dessus. Un ton. Même au niveau des stands, c'est beaucoup plus spectaculaire et beaucoup plus propre. Voilà, tout simplement.
regardez la taille des pizzas. On a une table et en fait on a des plateaux chacun tellement ils sont énormes. On est en train de choisir les armes pour tirer en fait. J'ai peur. Ça c'est les armes de Rick dans The Walking Dead. Moi aussi j'ai vraiment peur. Étant donné qu'à la base c'est fait pour tuer quelqu'un ou tuer un animal ou quoi, je peux pas en fait utiliser ce genre de choses. Et donc du coup voilà, j'ai pas vu. Et voilà. Regardez ce qu'il a fait. Regardez qui est venu tirer ici. C'est Glenn. J'ai mis le pied sur Marilyn Monroe. Merci. On est là, on est là. Donald Trump. Georges, on a une petite dédicace pour toi avec Prince. C'est qu'on aimerait avoir des capsules gratuites. Exactement, un partenariat. Parce que moi, je bois beaucoup de café. Voilà, on se check. Voilà, on fait connaissance voilà. Et tu nous envoies des capsules. Merci. Robert, Michael Jackson, attends, forever. Rest in peace, the plow. We gon' bring that soul back. It's that bad, that's that bad. Look at the people that ready to hear it. I'll be all up on my brain, but I guess he was my weakness. Maman, j'ai pas ça. Maman, j'ai dit ouré, lui, et qui donne ça en fait. Nous sommes à Universal Studio. Ouais ouais ouais, avec les potes, tout ça. Bah, avec Enes. Enes. Mais les autres. Enes, mon gars sûr, mon gars dur. Je connais rien du tout. Et toi? Ah mais comme moi. Nice, Griffon d'or, je connais rien moi en fait. Tu connais Nimbus 2000? On va l'acheter pour ton petit balai à toi. Malfunctioning. Satan, studio tout. J'espère que t'es content, Satan.